Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude. Bon, je sais, ça fait quelques samedis que je dis ça, mais bon, tant pis, en fait, tais-toi. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du serveur Discord que j'ai créé en rapport avec la chaîne YouTube, donc Clémence Noblewave, parce que ça fait quelques temps que le serveur est en ligne, quelques temps que j'ai bossé dessus, en fait, mais j'ai jamais pris le temps de vous en parler. Et donc là, à l'occasion des 350 abonnés qu'on vient de franchir, d'ailleurs je vous remercie beaucoup parce que sans vous il n'y aurait pas cette chaîne, j'ai décidé de vous en parler un peu plus sérieusement dans une vidéo. Alors si vous avez remarqué, enfin peut-être, peut-être pas, dans toutes mes descriptions, il vous suffit de descendre et vous avez le lien qui vous emmène vers le serveur Discord. Alors lorsque vous arrivez sur le serveur Discord, vous atterrissez dans le salon accueil. Dans ce salon, vous avez donc tous les messages qui vous souhaite une bonne arrivée sur le serveur et qui vous explique brièvement ce qu'il va falloir faire. Donc, on lit, on commence par aller dans le salon règlement. Si vous ne le trouvez pas ici, vous cliquez directement là-dessus. Ensuite, dans le salon règlement, on va vous demander de lire attentivement tout ça. Je sais que c'est un peu barbant, mais franchement, ça vous prendra 3 minutes grand max. Et c'est vraiment pour être d'accord entre nous sur les règles à respecter et pour éviter des débordements. Si vous avez bien lu, vous savez qu'il faut cocher donc ça en bas. En fait, c'est juste réagir. Il vous suffit juste, vous, normalement, il ne sera pas en couleur. Il vous suffira juste de cliquer dessus et hop, un bot, donc bot qui s'appelle Jeff, vous assignera automatiquement un rôle, le rôle Gotland, qu'on peut voir ici. Vous remarquerez que lorsque vous avez le rôle Gotland, vous avez accès à beaucoup plus de salons que vous n'aviez pas avant. Et notamment ceux-ci qui ont été rajoutés. Parce qu'avant, ils n'étaient pas en couleur, ce n'était pas des salons puisque vous n'y aviez pas accès. Donc, ensuite, on vous demande de vous rendre dans rôle. Ici, c'est un petit résumé en fait de la hiérarchie du salon et savoir à partir de quel moment vous pouvez obtenir quel rôle. Donc là, c'est sur les niveaux gérés par notre bot Bob. Et aussi ce que vous allez pouvoir récupérer grâce à ce rôle. Donc des petits bonus pour vous donner des challenges et vous donner envie de monter en rôle. Vous pouvez lire rapidement ça, ça prend pas très longtemps et c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Nous avons ensuite un salon info où je mets quelques infos sur moi, sur mes réseaux et des infos sur SSO. Alors attention, ces infos ne sont pas mises à jour régulièrement. Le serveur ne changera pas, ainsi que l'écurie principale normalement, les demandes d'avis non plus, mais ça, c'est pas mis à jour souvent, la preuve. Ensuite, vous avez un petit spoiler sur quelque chose qui va arriver très prochainement sur la chaîne, mais je vous en reparlerai plus en détail quand ce sera en pratique. On a ensuite une catégorie donc sur la chaîne, donc sur YouTube, où vous avez toutes les notifications des dernières vidéos qui sont envoyées par un bot. On fait aussi des sondages, donc sondages de base, pain au chocolat, chocolatine. Des annonces, donc ça peut être des giveaways, même si vous les trouverez plus dans le concours, mais ça peut vraiment être de tout. Donc ça peut aller du giveaway à des trucs plus classiques comme attention, aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo, donc tu vas sûrement en mettre une pour la semaine prochaine. On verra. Ensuite, donc concours, donc vous retrouverez des giveaways ou d'autres concours que j'organiserai. Ensuite, petit teaser sur la Orsi Noblewave Community qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Donc là, il y a des petits malins peut-être qui mettront sur pause pour pouvoir lire, tant pis. Donc, on verra ça plus tard. Ensuite, vous aurez une catégorie SSO. Et donc, dans l'actualité de SSO, vous verrez toutes les informations Twitter d'SSO qu'elle publie. Et ensuite, vous avez plusieurs salons pour parler. Vous avez aussi une catégorie autre. Donc, là, aucun rapport avec les SSO. C'est vraiment votre vie à vous. Une catégorie jeux vidéo, parce que j'adore ça. Bien évidemment, il y a aussi quelques jeux équestres. Après, on retrouve les salons focaux. Donc, il y en a plusieurs à voir où vous vous classez et un de nos micros si vous n'avez pas de micro. On a ensuite les bots. Donc, les salons pour les bots, c'est tout ce qui va. Les bots, en fait, c'est des robots, pas physiques, mais des robots virtuels qui vont nous aider à gérer le serveur. Donc, pour connaître votre niveau, tout écrit là-haut. Vous écrivez
point d'exclamation rank ou point d'exclamation level. Donc rank pour voir où vous en êtes dans votre montée de niveau et point d'exclamation level pour voir le classement du serveur. Ensuite, la montée au rôle, vous venez d'atteindre un palier. Donc ici, on a remis les paliers. Vous venez d'atteindre par exemple le palier, le niveau 10, vous pouvez passer Fjord, donc qui est un rôle supérieur. Eh bien, il vous suffit tout simplement de venir nous le dire ici. On supprimera ensuite automatiquement vos messages et ce guide, c'est une aide pour les modos. Et bien évidemment, on tombe ensuite sur un service modérateur, donc signalez si vous avez un problème ou un problème avec une joueuse, donc ça peut être tous les problèmes que vous rencontrez, un bug dans le serveur, venez, n'hésitez pas à venir nous le dire, et des questions si vous n'avez pas réussi à trouver la question autre part sur le serveur. C'est bien important de vérifier qu'il n'y ait pas la réponse autre part, parce que sinon on va être submergé de questions alors que la réponse est écrite juste sous vos yeux, c'est juste que vous n'avez pas fait attention. Alors je vais vous parler un peu plus en détail des rôles. Donc on a 4 différents rôles accessibles à tout le monde. Donc le rôle Gotland il donne juste accès au serveur, ce rôle que vous avez automatiquement en acceptant le règlement. Ensuite le Fjord, il faut atteindre le niveau 10. Donc pour monter un niveau, il faut parler, envoyer des messages et vous gagnez entre 15 et 20 XP et 25 XP pardon, à chaque message envoyé. Donc il vous donne accès à un salon avec un bot musical. Donc c'est ici que vous le trouverez, le salon musique. Ici vous envoyez vos commandes, tout est écrit ici pour votre musique, celle que vous voulez. Et vous avez deux salons, soit musique juste pour écouter votre musique ou karaoké pour faire votre best karaoké. Après on trouve le rôle percheron, donc qui est accessible à partir du niveau 20. Il vous donne accès à un salon anniversaire. Si vous avez fait attention tout à l'heure, il y avait un salon appelé anniversaire ici. Donc c'est pour souhaiter tous les anniversaires automatiquement pour rappeler. Mais à partir du niveau 20, vous débloquez ce salon-là dans bot. Et c'est ici que vous enregistrerez votre anniversaire avec la commande qui est indiquée ici ou qui est enregistrée épinglée. Et enfin le dernier rôle, c'est celui de l'Andalou. Il vous donne accès à un salon et un focal VIP, donc réservé à ce rôle et à tous les rôles supérieurs, donc c'est-à-dire les modos et la propriétaire du club, donc c'est moi. Par contre là, c'est niveau 40. Vous le trouverez ici dans VIP Andalou. Mais là, va falloir parler un certain moment avant de pouvoir y accéder. Pour pouvoir accéder au serveur Discord, vous devez juste avoir une adresse mail vérifiée sur votre compte Discord. C'est juste ça, mais comme ça vous permet d'éviter des gens qui viennent et qui spamment de nouvelles personnes alors qu'il n'y a aucun intérêt du tout. Je suis désolée si vous entendez mon chat, il n'arrête pas de ronronner et de me foutre des coups depuis tout à l'heure. Bon, je suis désolée, c'est une explication un peu rapide, mais je peux pas trop rentrer dans le détail, j'ai pas trop de choses à dire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, franchement ça me ferait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de nous rejoindre en tout cas. Merci d'être resté jusqu'à la fin à ceux qui l'auront fait. Merci encore pour les 350 abonnés, sans vous on n'y serait pas. Merci. Sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Gros bisous à tous et à la prochaine.